Les députés de l'opposition ont refusé ce 2 février 2022 de cautionner la modification du projet de loi déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Comme indiqué par l'Infodrome il y a quelques jours, la loi sur le Conseil constitutionnel est en passe d'être modifiée. À cet effet, Sansan Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, était devant les députés membres de la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles, CAGI, le 2 février 2022. Les explications de Pascal Affine-Guessant, les députés pro-Gbagbo de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et du Front populaire ivoirien, FPI, de Pascal Affine-Guessant ont formé un bloc commun pour s'opposer à la modification de la loi sur le Conseil constitutionnel, rapporte le journal L'Inter. Selon Pascal Affine-Guessant, la question sur le Conseil constitutionnel ne doit pas être portée devant les élus de la nation. Voici ses arguments. Comment le gouvernement peut donc inscrire cette question dans les négociations et en même temps vouloir trancher ici à l'Assemblée nationale? Il a en effet révélé que la question du Conseil constitutionnel est une question qui est inscrite à l'ordre du jour des négociations des partis politiques avec le gouvernement. Cela signifie que même si c'est l'Assemblée nationale ou le Parlement de façon générale qui doit donner une force juridique à tout ce qui va résulter de ce dialogue, la question ne devrait pas être tranchée uniquement à notre niveau. Lire aussi Côte d'Ivoire, les députés en situation d'incompatibilité éjectés, hier, imbroglio entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Le gouvernement a pris acte de cette volonté et s'est engagé dans cette voie en acceptant d'inscrire la question de la réforme de l'environnement juridique au calendrier des négociations politiques. Alors comment le gouvernement peut donc inscrire cette question dans les négociations et en même temps vouloir trancher ici à l'Assemblée nationale et rendre carrément le débat sur la question caduque, a expliqué le président Pascal Affine-Guessant. Le ministre Sansan Kambilé se défend. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, a déclaré que le Conseil constitutionnel est une institution à part entière qui fait son texte et le propose à l'exécutif qui l'envoie devant le législatif. Le Conseil constitutif n'est pas tributaire de l'exécutif. Malgré le refus des députés de l'opposition, ce projet a été adopté à la majorité.